caught behind Venetian blinds, out to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I become. I've been running east, looking for some. Aujourd'hui, nous poursuivons notre périple en Nouvelle-Aquitaine et vous invitons à découvrir La Rochelle et l'île de Ré. Un duo envoûtant où les embruns de l'Atlantique portent les récits séculaires d'une cité portuaire et d'une perle insulaire. Entre les tours empreintes d'histoire qui veillent sur les remparts de La Rochelle et les paisibles villages aux nuances de blanc et de vert qui bordent les côtes de l'île de Ré, chaque coin de ce territoire dévoile une poésie unique, une symphonie entre la majesté de la mer et le charme intemporel de la terre. Bienvenue dans ce voyage au cœur de la Nouvelle-Aquitaine, où chaque étape est une invitation à l'émerveillement. Nous commençons notre journée par la visite de La Rochelle et découvrons une statue en bronze d'Eugène Fromentin, artiste ayant peint de nombreux chevaux, juste avant de découvrir la porte de la Grosse Horloge. Cette tour gothique est classée au monument historique depuis 1978. Elle date de l'enceinte primitive du duc d'Aquitaine Guillaume X au XIIe siècle. Le clocher octogonal date quant à lui de 1478 et en 1746, la partie supérieure de l'édifice fut démolie pour faire place à la construction actuelle. La tour est impressionnante et fait le lien entre le vieux port et la vieille ville. Autrefois, elle avait pour fonction de défendre la ville en cas d'attaque par le port. Sur la place, on aperçoit une statue du baron Guy-Victor Dupéré, né à La Rochelle, et qui fut officier de marine, puis ministre de la marine et des colonies en 1830, et promu au grade d'amiral en 1831. Nous poursuivons notre marche vers la plage de la Concurrence. Plage emblématique de la ville, elle est située à l'entrée du vieux port et à proximité du centre-ville, ce qui en fait un lieu facilement accessible pour les habitants et les visiteurs. Son nom particulier, Concurrence, trouve son origine dans l'histoire du lieu. Il provient de l'ancien marché aux poissons qui se tenait autrefois à proximité. Les pêcheurs y vendaient leurs prises, créant ainsi une certaine concurrence commerciale. La plage a conservé ce nom au fil du temps. Elle est adjacente à la promenade du Mail, une allée arborée qui longe le front de mer. Cette promenade offre un cadre agréable pour se balader, faire du vélo ou simplement profiter de la vue sur la mer. Elle joue un rôle important dans la vie sociale et récréative de La Rochelle. Elle offre également une vue sur les tours médiévales qui bordent le vieux port. Celui-ci a joué un rôle important dans l'histoire de la ville. Il lui a permis de devenir un des premiers ports de France durant la guerre de Cent Ans, entre 1337 et 1453, puis avec la découverte et exploration de l'Amérique à partir du XVe siècle. Le vieux port est l'épicentre historique de la cité, un lieu emblématique, chargé d'histoire, de charme, et imprégné de l'atmosphère maritime qui a façonné le destin de cette cité portuaire. La construction des premières fortifications et des tours remonte au Moyen Âge.
Ces structures défensives étaient essentielles pour protéger la ville des attaques extérieures. Au fil des siècles, La Rochelle a prospéré grâce à son activité portuaire et son commerce maritime. La ville était un important centre d'échanges commerciaux, notamment pendant la période de la traite des vins, qui a contribué à la renommée de la région. La Rochelle a joué un rôle crucial lors des guerres de religion en France au XVIe siècle. Les protestants s'y sont retranchés et la ville a été assiégée à plusieurs reprises. Les vestiges de ces conflits sont visibles dans l'architecture des fortifications et des tours du vieux port. Au fil du temps, La Rochelle a continué à prospérer en tant que port commercial. Le vieux port était le point névralgique de cette activité, accueillant des navires marchands venant de divers horizons. Au cours des dernières décennies, il est devenu non seulement un centre économique, mais aussi un lieu touristique majeur. On y découvre ces trois tours emblématiques, qui se dressent fièrement à l'entrée du port, témoignant de la richesse passée de la ville, rescapée de la destruction de l'enceinte fortifiée après le siège de La Rochelle par l'armée du roi Louis XIII, commandée par Richelieu. La tour de la chaîne, qui servait autrefois à contrôler les entrées et sorties des navires, offre aujourd'hui une vue imprenable sur le port et la ville. La tour Saint-Nicolas, la plus massive, était autrefois une prison et offre également une vue panoramique incroyable. Enfin, la tour de la Lanterne, dernière tour médiévale du port, a servi de phare et de prison. Elle abrite désormais des expositions temporaires. En nous promenant le long des quais, on admire les voiliers et les bateaux de pêche et on profite de la vue sur les tours, tout en profitant de l'atmosphère animée de ce quartier. Des balades en bateau sont également proposées pour une vue différente sur la ville et ses tours depuis l'océan. Aujourd'hui, le vieux port de La Rochelle conserve son charme d'antan, tout en s'adaptant aux besoins modernes. C'est un endroit où l'histoire maritime se mêle à la vie contemporaine, nous offrant une plongée captivante dans le riche passé de cette ville côtière. Dirigeons maintenant vers la vieille ville et repassons par les quais. De là, nous observons la foule monter dans des bateaux pour découvrir Fort Boyard. De nombreuses compagnies proposent des croisières commentées pour admirer ce monument emblématique au plus près. C'est une balade en mer d'environ 2 heures qui donne l'occasion d'approcher l'énigmatique fortification et durant laquelle on profite des vues sur les îles d'Aix, de Ré et d'Oléron. Sa construction a commencé en 1801 sous Napoléon Bonaparte. L'objectif était de renforcer la défense côtière en protégeant l'arsenal maritime de Rochefort, situé en Charente, une région voisine. Le fort a été utilisé à des fins militaires pendant différentes périodes de l'histoire,
mais il n'a jamais été impliqué dans une bataille majeure. Sa position stratégique au milieu de l'océan en a fait un site idéal pour surveiller et protéger les voies maritimes. Au milieu du 19e siècle, le progrès des armes rendait sa position exposée aux attaques. Il a donc été abandonné, puis a été brièvement utilisé comme prison pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 1960, le fort a été classé monument historique. Et à partir de la fin des années 1980, il a été transformé en un lieu emblématique pour le divertissement télévisé. Le jeu Fort Boyard est devenu célèbre, mettant en scène des épreuves physiques et intellectuelles pour les participants. Ainsi, bien que le fort ait été construit à l'origine à des fins militaires, il a trouvé une nouvelle vie en tant que lieu culturel et télévisuel populaire. De nos jours, il reste un symbole emblématique de la côte atlantique française. Après ce petit détour par Fort Boyard, nous arrivons dans la vieille ville. Surnommée la ville blanche, en raison de la couleur de ses pierres calcaires qui scintillent au soleil, elle dévoile ses plus beaux secrets et trésors architecturaux. La vieille ville est un dédale de ruelles étroites et pavées, bordées de maisons à colombages aux couleurs vives. Au cœur de la vieille ville, la place de l'Hôtel de Ville est entourée de bâtiments élégants, dont l'Hôtel de Ville lui-même, un édifice datant du XVIIIe siècle. Cette place est souvent le lieu de manifestations culturelles et de marchés animés. Nous découvrons maintenant le plus vieil hôtel de ville de France encore en fonction. Il héberge la mairie de La Rochelle depuis 1298. Au XVIe siècle, en tant que capitale de la France protestante, La Rochelle connaît une période de rayonnement politique et commercial. Pendant cette époque, la ville entreprend d'importants travaux qui transforment son paysage urbain. En 1607, une seconde tourelle d'angle est érigée et la chambre des échevins est ajoutée à l'arrière du bâtiment principal. L'extraordinaire balcon de cette chambre évoque le château arrière des navires huguenots, symbole de prospérité pour la ville. Il est classé au titre des monuments historiques le 27 septembre 1861. Largement détérioré, le bâtiment subit à la fin du 19e siècle une lourde restauration, mêlant restauration et ajout d'éléments décoratifs reflétant la puissance de La Rochelle. Depuis 1911, se dresse sur la place, face au portail principal, une statue de Guiton, célèbre maire de La Rochelle qui a défendu la ville pendant le siège de 1627-1628, offerte en partie par la ville américaine de New Rochelle. Autour de la place, on peut admirer des hôtels particuliers et profiter de l'architecture médiévale. La vieille ville est parfaite pour flâner à pied. On ne peut s'empêcher de remarquer la présence de rues en arcade qui servaient jadis à protéger les marchandises des intempéries. La ville abrite plusieurs bâtiments remarquables, reflétant l'histoire spirituelle et architecturale de La Rochelle. On y découvre ainsi le cloître des Dames Blanches, lieu emblématique de La Rochelle, situé au cœur de la vieille ville. En 1715,
les Sœurs de Notre-Dame de la Charité du Refuge, connues sous le nom de Dames Blanches, installèrent leur couvent. Le cloître y accueillait des prostituées repenties. Sous la Révolution, les bâtiments sont réquisitionnés et deviennent une prison et un dépôt de mendicité, puis un hôpital de la maternité. En 1810, le couvent est reconstitué dans une partie de l'ancien monastère des Récollets, dont l'église est aujourd'hui le temple protestant de La Rochelle. En 1878, les sœurs font construire l'actuelle chapelle sur le quai Maubec. Le couvent est inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du 5 août 1980. Nous terminons la visite de la ville par la cathédrale Saint-Louis de La Rochelle. C'est une cathédrale catholique romaine construite à partir de 1742. En 1152, les premiers Rochelais construisaient la nouvelle paroisse Saint-Barthélemy. Le clocher gothique du XVe siècle, situé derrière la cathédrale, appartenait à l'église Saint-Barthélemy, où avait lieu tous les ans, le dimanche de Quasimodo, l'élection du maire. Elle a été détruite en 1568 pendant les guerres de religion. Au début du XVIIe siècle, les protestants construisent le grand temple qui devient la cathédrale lorsque, 20 ans après le siège de 1627-1628, le premier évêque s'installe à La Rochelle. Après l'incendie accidentel de ce bâtiment en 1687, on décide la construction d'une nouvelle cathédrale. Ce n'est qu'en 1741 que Jacques V Gabriel, premier architecte du roi, en dresse les plans, et les travaux commencés en 1742 se poursuivront pendant tout le XVIIIe siècle. En 1789, la cathédrale n'est pas achevée. La façade ne sera jamais flanquée des deux tours prévues par Gabriel. Les travaux d'achèvement de l'intérieur reprennent en 1849, et le 18 novembre 1862, Monseigneur Guibert, archevêque de Tours, consacre la cathédrale. Son décor constitue donc un témoignage de l'art officiel de la seconde moitié du XIXe siècle et de la sensibilité religieuse de cette époque. Quittons cette ville chargée d'histoire pour nous diriger vers l'île de Ré. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode. À bientôt pour de nouvelles découvertes.